Mec, ce soir c'est carrément incroyable. Salut à tous, ici Skilo et le Padre. Et on se retrouve aujourd'hui pour un artiste américain qu'on n'a jamais fait. Alors que, bon, il est très talentueux. Mais juste que, moi en fait, c'est seulement que depuis assez récemment que j'ai commencé à réellement l'écouter. Alors qu'avant, j'avais juste entendu quelques sons, mais je m'étais jamais vraiment intéressé. C'est une erreur, hein, depuis que j'ai écouté un peu ses albums. Et incroyable, je me suis pris une claque. Là, du coup, il a sorti un nouvel album, Monsieur Moral and the Big Steppers. Et il a clippé le morceau issu de l'album N95. Comme ça, tu sais tout. Eh bien, c'est très bien. T'es sûr que c'est bien? Oui, mais de toute façon, même aux États-Unis, il y a pas mal de rappeurs. Hein. Bah beaucoup donc, plus. Beaucoup voilà, plus. Donc comment veux-tu écouter tout? Non. Enfin, tous ceux qui. Non, mais lui est considéré comme l'un des meilleurs quand même. Donc voilà. Oui, mais bon, tu dois le savoir que parmi la panoplie de rappeurs, il y en a des meilleurs quoi. Donc, bah, ça se sait, hein. Oui, quand tu t'intéresses un peu. Oui, de bouche voilà. À oreille, de messages, tout ça. Mais bah Internet que, surtout. Mais ça prend du temps, je veux dire, pour faire des recherches, quoi. Bah oui, vu le nombre, tu peux pas tout écouter, ça c'est clair. Mais bon, comme, allez, en général, il apparaît souvent dans le top 10 des gens, quoi. Donc, tu te dis, allez, il doit y avoir un truc quand même, déjà, quoi. Ouais. Bref, on va se lancer ça tout de suite. C'est parti. Hello, new world, all the boys and girls. I got some true stories to tell. You're back outside, but they still lie. Whoa, aïe, yeah. Le fond take off the foo-foo, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi, take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss, take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off, take off the fabricated streams and the microwave memes, it's a real world outside, take off your idols, take off the runway, take off the Cairo, take off the Sandro, pay 5 days stay, take off for the meal and the final. Take off the fuck flag, take off reception, take off the cop with the iPad. Take off the allure, take off the unsure, take off the decisions I had. Take off the fake deep, take off the fake woke, take off the humble cock here. Take off the gossip, take off the new logic, they define rich, I'm real. Take off the shirt nail, take off the doje, take off the broken bag. Take all that designer bullshit off and what do you have? Fuck. You out of pocket. Huh. Two ATMs, you step in a what? You out of pocket. Who you think they talk about? Talk about us. You out of pocket. Who you think they coming up us? The world in the panic, the women is stranded, the men on the run. The profits are banished, the law take advantage. The market is crashing, the industry wants niggas and bitches to sleep in the box while they making a mockery following us. This ain't monopoly, watch it for love. This ain't monogamy, y'all getting fucked. Ok, donc il parle un peu, enfin, vite fait, hein. Il parle en fait de tous ces gens qui portent de la marque pour se faire remarquer, pour faire partie, tu vois. De leur clan. De leur clan, de la société tout simplement. Voilà, la plupart des jeunes qui sont comme ça aujourd'hui, pas que les jeunes même. Société de consommation, hein. Ouais, c'est ça. Donc là, il dit, si tu retirais tout ce que tu as de marque sur toi, qu'est-ce qui reste? Rien. Rien du tout, c'est ça. Ton corps. Ouais, ben voilà, au final... Là, on est tous les mêmes, pratiquement, quoi. Voilà, y'a des gens qui oublient ça. This ain't monopoly, watch it for love. This ain't monogamy, y'all getting fucked. Jumping on what the hell is that, I gotta relax when I feel. All my descendants, they come in my sleep and say I am too real. I'm done with the sensitive, taking it personal. Done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change in clericals. I know the feelings that came with burial cries. Bitch, you ugly as fuck. You out of pocket. Two ATMs, you step in a what? You out of pocket. Who you think they talk about? Talk about us. You out of pocket. Who you think they coming up us? Serving up a look, dancing in a drop. Hello to the big step, but never lose account. Venting in the safe house. Venting in the safe. Can I fit on my truth? I got nothing to lose. I got bottoms and boots. I can swim with my fate. Cameras moving, whenever I'm moving. The family suing, whatever I make. Murder is stacking. The president acting. The government taxing. My funds in the bank. Homies ejecting the fence when I'm wrecking. Look at my reaction. My pupils on skates. Hello, hello. Let's think about this for a second. Tell me what you would do for status. When you show your show, don't claim. When you show your bro for leverage. What a hypocrite said. What community feel that the only one's relevant? What a hypocrite said. What community feel that the only one's relevant? Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Oui. Quoi? Comment ça? Oui. Oui.
Ouais, bon, je sais bien que tu comprends pas, donc c'est un peu plus non, dur. Non, mais même, c'est pas la question de pas comprendre. Non. Mais non, ça m'a pas vraiment emballé, quoi. Bon, je suis d'accord avec lui, hein, parce que je ne suis pas non plus les marques, mais bon. Malgré tout, t'es quand même parfois aussi tenu un petit peu de suivre certaines marques, parce que, malgré tout, t'es c'est pris... Bah oui, si t'as besoin d'un, bon, d'un PC, d'un smartphone, tu vas quand même pas prendre une marque totalement inconnue, quoi. Hein. Mais non, mais je pense qu'il parle plus des vêtements, là, tu vois. Oui, mais pour dire que je suis d'accord avec lui, mais dans certains domaines, t'es quand même obligé de regarder aussi ce que tu achètes, quoi. Autrement, je suis d'accord au niveau, c'est vrai, de tout ce qui est... c'est vrai que c'est inutile, quoi, mais bon, il y en a... Les gens misent tout sur ça, parfois, en se oui, disant, mais y en voilà, a... ils sont au-dessus mais ça, je des sais. Autres, y a, je sais y en, voilà, mais il y en a aussi qui se sentent mieux en étant habillés de marque. Ouais, pour sera... un gain de confiance en soi, peut-être, tu crois. Oui, tout... ouais, ouais, après, je dis pas, sûr. Bon, si t'es riche, bon, normal, je veux dire, dans oui, un mais sens je tu peux parce te faire que... plaisir, mais il y a des gens... Ils sont pas riches, mais malgré ça, tu vois, ils veulent absolument m'acheter des la marque, de marque pour montrer, paraître, ou je sais pas. Bon, je sais bien que ça peut aussi être un kiff personnel, mais il y en a vraiment, ça devient une priorité qui passe au-dessus d'autres, allez, d'autres choses de ta vie qui devraient être devant ça, tu vois. Oui, donc, mais bon, pas, ça, mais ça fait parfois aussi aller du bien, mais c'est parfois aussi souvent les jeunes, quoi. Ouais, bon, bah, par rapport aux autres copains ou amis, c'est d'avoir des baskets d'une telle marque ou c'est une compétition à la fin. C'est ben voilà, c'est ça. Mais on se rend compte ça quand on grandit en fait. Voilà, hein, justement. Quand on vieillit. Voilà, quand on mûrit à la fin, on se rend bien compte que tout ça en fait, ça sert strictement à rien. Mais bon, il faut aussi parfois paraître. Hein. Donc le fait d'avoir, tu sais, une voiture de luxe, même si tu as parfois pas les moyens de manger, mais je veux dire, tu vas t'offrir une voiture pour aller te pavaner hein, dans les rues ou pour les copains, pour paraître en fait parfois riche. Mais bon, voilà, mais enfin, avec l'âge, parfois tu te dis tout ça sert strictement à rien. Quoi. Donc, voilà. What a hypocrite say? What community feel that the only one's relevant? What a hypocrite say? What community feel that the only one's relevant? You out of pocket, man, you out of pocket. You entertain the mediocre, need to stop it. You entertaining old friends when they toxic. What's your life like? Bullshit and gossip. What the fuck is council culture, dawg? Say what I want about you niggas, I'm like overdog. I treat you crackers like I'm Jigga, watch I own it all. Oh, you worry about a critic, that ain't protocol, bitch. Il est très croyant. Il est très croyant, ah oui. T'as oui, vu oui. Sa chambre, hein, il veut des croix partout. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, hein. Enfin, moi aussi, j'ai mis dans le salon quelques croix. Ah. Parmi mes tableaux. Ok. Parce que je trouvais ça aussi, ça a un effet parfois inattendu, quoi. Inattendu, ouais. D'accord. Et donc, la chanson, bon, ton avis n'a pas changé, j'imagine, entre-temps Non, pas... Bon, pour moi, c'était pas vraiment l'extase, quoi. Donc, pourtant, t'as vu dans l'instru aller à quel point ça change Oui, les éléments utilisés, oui. D'une partie à une autre. Oui. Quel travail monstrueux, quoi. Ouais, ouais peut-être que. Ouais, il faudrait peut-être une petite réécoute, ce serait peut-être pas non plus. Même là, quand il se met à chanter, de temps en temps, c'est clean, c'est soigné, quoi. Oui, mais c'est vrai que le style aussi américain, c'est vrai, c'est un peu plus riche hein, malgré tout, hein, même si là, ils n'aiment pas les marques, mais bon. Bah, ouais. Je veux dire, ouais, les budgets sont parfois un peu différents, hein, donc... Ouais. Enfin, je suppose, quoi. En même temps, voilà, de base, le rap, le hip-hop, ça vient de l'Amérique, donc c'est logique qu'ils ont toujours un petit temps d'avance sur, oui. Sur les Français. Ouais, mais au niveau des budgets, ils sont toujours bien en avance malgré tout. Hein. Ça, bah oui, voilà, bien quoi. Sûr. C'est une production hollywoodienne, ça. Voilà. Ce qui conclura la vidéo sur Kendrick Lamar. On checkera peut-être quelques autres clips de sa part. Oui. Parce que, voilà, je me suis pris il n'y a pas longtemps. Je sais, je suis en retard de fou, mais vaut mieux tard que jamais. Bref, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like. Et on se capte la prochaine fois. Ciao. Take off the runway, take off the Cairo. Take off the Sandro, pay 5 days stay. Take off for the meal, hell if I knew. Take off the far flag, take off reception. Take off the cop with the iPad. Take off the allure, take off the unsure. Take off decisions.